in stereo. Bon, bah j'espère que pour vous ça va. Alors, 92, Super Star Wars. Donc un jeu programmé par Sculptured Software. Alors, c'est pas tout à fait ce que j'avais vu, mais enfin, bon, c'est pas grave. Donc un jeu sorti en 1992, c'est-à-dire... quand il est sorti, en fait, il n'y avait rien spécifiquement sur Star Wars, en fait. C'était assez rigolo. Il me semble qu'il y avait juste une édition de cassette vidéo qui venait de sortir, ou quelque chose comme ça. Mais c'est à peu près tout. C'est-à-dire que c'était 5 ans avant l'édition spéciale, quoi. Donc il n'y avait rien de particulier. Les gens qui ont joué à ce jeu-là... moi, j'avais 11 ans. Très inattendu ce jeu aujourd'hui, effectivement, bonjour Randall. Donc les gens qui ont joué à ce jeu-là à l'époque, s'ils ont vu Star Wars dans les salles, c'était il y a quand même un petit bout de temps, et le film ne passait pas vraiment à la télé non plus. Il passait quand même à la télé, mais il n'y avait pas vraiment de diffusion régulière, on va dire. Enfin, comme toujours, hein, d'ailleurs. Allez. Luke Skywalker. Épisode 4. Un nouvel espoir. C'est une période de guerre civile. Des vaisseaux rebelles frappant d'une base secrète ont gagné leur première victoire contre l'Empire galactique maléfique. Pendant la bataille, les espions rebelles ont réussi à voler les plans secrets de l'Empire, l'arme ultime de l'Empire, l'étoile de la mort. Une station orbitale armorée, blindée avec assez de puissance pour détruire une planète entière. Poursuivie par les espions sinistres de l'Empire, la princesse Leia rentre chez elle dans son vaisseau, en transportant les plans volés qui pourraient sauver son peuple et restaurer la liberté pour la galaxie. Parce qu'il faut toujours que ça finisse par galaxie. Ah bah tu peux faire des jeux de mots pourris de Star Wars, tu fais ce que tu veux, hein, tant que tu parles pas de l'épisode 7, puisque je ne l'ai pas encore vu. Bon, pour de la Super Nintendo, ça a quand même de la gueule, hein, faut reconnaître. Donc 92, c'est-à-dire la Super Nintendo est sortie depuis un an, voire deux. Et on commence directement avec Luke dans le désert. Oh là! Et Luke qui bute des scorpions. Vous vous souvenez ce passage dans le film où il bute des scorpions? Parce que pas moi. Où il bute des Minocs aussi. Vous vous souvenez de ce passage-là? Bon, donc on peut tirer. Donc déjà, bon, c'est un peu le jeu du viol, hein, dès le départ, c'est-à-dire que... Tu commences le premier écran, tu te fais attaquer par tout ce que l'univers comporte d'insectes et de saloperies. Et donc tout ce que l'univers comporte de saloperies. Et t'as pas grand chose à faire. Enfin, tu peux pas faire grand chose vraiment. Tu peux tirer quand même dans 6 directions. Ce qui est pas. Ce qui est pas du luxe, compte tenu que les ennemis débarquent un petit peu partout, mais... Oula. Donc c'est vraiment un run and gun, tout ce qui est le plus... Enfin, on pourrait penser tout ce qui est le plus con-con, en fait, mais... Bon, après, c'est le premier niveau aussi. Hein. Par contre, ça a de la gueule, hein. Oh là là là, oh putain. Donc on peut sauter en tirant aussi, évidemment. Oh là là. Donc les petits cœurs, ça me rend de la vie. Par contre, les ennemis... Oh là là. Le
le contact te tue, enfin te tue, ne te blesse. Le contact te blesse et le... Oh putain. Qu'est-ce que c'est que ces trucs là? Ah bon bah maintenant j'ai un meilleur blaster. Ah ah! Qu'est-ce que vous dites de ça, espèce de chacal de l'espace? En fait, faut avancer parce que les ennemis respawnent à l'infini, c'est... Putain, c'est lourd. Oh là là. Il y a même des vers des sables, dis donc. On se croit dans Dune. Là-haut, dans les étoiles. Par contre, la musique est vraiment chouette. Enfin, c'est Star Wars, quoi, mais... On sent quand même que la Super Nintendo avait de la patate dans ses... dans son processeur sonore. Donc, j'y joue sur Igan, donc c'est un émulateur Super NES. A priori, c'est le meilleur émulateur Super NES existant. J'ai essayé de le lancer sur un autre émulateur, mais le son grésillait, donc du coup j'ai essayé de trouver autre chose. Et là ça marche très bien. Mince. Après je suis pas obligé de les buter, hein, comme on voit, là je suis... Ça fait du score. Ah mon dieu! Qu'est-ce que c'est que ça, un boss? Ah mais il fait mal cet enfoiré. Je vais me faire défoncer. Ok. Ah bah alors Luc. Il n'y a aucun contrôle de Lucas sur le jeu, effectivement. Eh mais... Foutez-moi tranquille. Ah ! Ah par contre, je recommence tout le niveau, hein. C'est hard de chez hard, putain. Bon. Un Sarlacc à demi avec Nikos Saliagas. Sardacadame. Oh putain. D'accord, j'avais pas compris. Déjà, hop, le point de vie qui me manquait, je suis sûr que c'est celui-là qui va me permettre de le battre. En fait, il faut être le plus loin possible, mais... Ça, mais les ennemis qui ont 50 millions de points de vie, quoi, dès le premier niveau. Piou piou piou. Aïe. Ah, yeah. Ça va, seulement 3 essais. I am your father.